rapproche. Il y a une nouvelle zone de sécurité. Yo les ghosts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est très simple, je vais vous montrer une partie en solo où j'ai réussi à choper 30 kills grâce à cette classe. La meilleure classe clavier souris actuellement sur Warzone. Alors pour une AR et pour une arme contact, ok. Les SMG, le débat SMG contre des pompes. Quand t'es clavier souris, ça va toujours être serré. Ça dépend des gens. Je pense que si t'es un bon joueur clavier souris, si tu veux t'entraîner clavier souris, si tu veux t'entraîner avec ton aim, ton mouvement et tout, rien est plus fort que le pompe. Parce que c'est une arme qui va te... Si tu vises bien, si tu te déplaces bien, tu vas exploser l'ennemi, mais à une vitesse phénoménale. Comme vous le savez sûrement déjà, vous m'avez déjà vu jouer avec. Mais ça va te punir. De l'autre côté, ça va te punir à une vitesse aussi phénoménale. Si tu rates un peu... Si t'es mal positionné, donc c'est l'arme littéralement parfaite pour s'améliorer sur Warzone. Ça rappelle un petit peu la vidéo que j'avais faite il y a longtemps. La meilleure classe pour s'entraîner sur Warzone était un pompe et un sniper. Là, pour moi, c'est le pompe et la MCW. Pourquoi la MCW? Parce qu'elle a un recul assez prévisible. Il y en a quand même. C'est pas comme la DG ou n'importe qui pouvait jouer avec. Il y a un petit recul à savoir gérer avec sa souris, avec le déplacement de sa main. Et l'arme est bonne. L'arme est franchement... très très bonne sur Resistance. C'est pas le meilleur TTK, mais vu que le recul est prévisible et que vous êtes clavier souris, bah ça va être l'arme vraiment. Franchement les gars, je dis rarement qu'une arme a un bon feeling à ce point, mais la MCW a ce feeling, le feeling, lettre capitale sur le, que j'ai pas eu sur une AR depuis un petit moment. Et même si c'est pas un TTK zinzin, bah j'explose avec personnellement maintenant parce que je me suis mis à fond dedans et j'accepte l'arme telle qu'elle est, tu vois ce que je veux dire, et je comprends le recul. Donc les amis, si vous êtes clavier souris là, que vous regardez cette vidéo, ça marche aussi pour les manettes hein, évidemment, copiez cette classe. Franchement, copiez la classe, regardez comment je joue cette partie. Comme j'ai dit, j'ai réussi à faire 30 kills en solo, c'est extrêmement dur en ce moment de faire 30 kills. Les lobbies, ils meurent à une vitesse phénoménale. Là, j'ai charbonné là pour cette partie, vous avez kiffé de fou avec cette classe. Donc je vais reparler vite fait des armes. Hein. La MCW, à la fin, voici le setup ultime. Vraiment, on a tout ce qu'il faut. Contrôle de recul, stabilité, vélocité, portée. C'est vraiment incroyable comme setup pour cette MCW. Et puis le pompe, les amis, c'est celui-là. Ça n'a pas trop changé depuis qu'elle est sortie. Voilà, toujours en coup par coup. Hein. Il y a un mode semi-automatique, mais ne l'utilisez pas. Ça fait moins de dégâts. Donc celle-là, comme ça, c'est parfait. Et ensuite, fumigène avec C4. Avec passe-passe et gros bras, c'est vraiment fort. Ces quatre gros bras, c'est extrêmement sous-coté. Personne ne le fait, je le fais. J'explose avec, franchement. Et tracker, les gars, ça va vous aider pour le déplacement sur les côtés. Donc, c'est plus chiant pour l'ennemi. Même s'il est manette ou pas, c'est plus chiant pour l'ennemi. Donc, ça marche de fou. On saute pas trop souvent avec le pompe. Et même quand on saute, c'est assez précis. Donc, il n'y a pas besoin de mettre paré. Petit rappel, paré, c'est super en tactique. Parce que quand tu sautes, ça garde la précision. Pas besoin avec ce pompe. Tracker, c'est tellement plus... beaucoup plus de valeur avec tracker. Et alert max, bon. Ça, vous pouvez peut-être rejouer avec agilité ou éclaireur de combat. Mais alert max, bon, voilà. C'est un choix pour l'instant. Parce qu'il y a quand même un peu encore des gens qui snipent. Et c'est la bonne méta pour se remettre un peu à l'arrière les goats. Franchement, c'est le moment. Le car est devenu très dur de loin. Peu de gens jouent avec le morse pété avec le canon qui charge. Encore très très peu s'y mettent. Donc profitez-en. Peut-être que la saison 5 va être une méta AR. Il y a des fortes chances d'ailleurs. Donc si la MCW reçoit un petit baf saison 5. Et vous êtes déjà là, et vous êtes déjà prêt, elle va être incroyable. Vous allez exploser tout le monde pendant des semaines avant que les gens s'y habituent. Bon, je dis pas que ça va être le cas, mais quoi qu'il arrive, le but de cette vidéo, les gars, le pompe pour s'entraîner à viser correctement, à comprendre le timing de ton joueur, des joueurs en face, et le déplacement en général. Ce pompe se déplace super vite, les gars. Ceux qui ont déjà essayé le Bryson ou le Lockwood, quand j'avais fait des vidéos dessus qui étaient aussi en coup par coup, c'était pareil. Hein. Ça punissait, ça te récompensait, mais il se déplaçait beaucoup plus lentement que le Space 12. Le Space 12 a une vitesse de déplacement, mon gars, quand tu fais une glissade ou que tu te déplaces avec le combo tracker, c'est parfait. Si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale pour le pompe de déplacement, un peu en analyse, un peu plus poussée, dites-moi dans les commentaires, je ferai ça avec plaisir. Il n'y a pas trop de choses à faire sur Warzone en ce moment. On attend la saison 5, il n'y a pas de mage, il n'y a pas de buff, il n'y a rien. Donc, pas de soucis, vous me dites. Et voilà, je vous ferai ça, les goats. Bon visionnage et on se voit demain pour la prochaine vidéo. Ciao.
Battle Weekend. Nice. Ah, il avait la... Ouais. Bah, j'ai touché trop de fois le rebord. De toute façon, j'étais en tactique, c'était pas... Surtout j'étais en tactique, la Ramset, ma bad, j'ai perdu trop de temps. Journée compliquée, alors. Si son but au streamer, c'est de faire top 1, je pense qu'il regarde la rediff pour apprendre un peu, ouais. Voir ce que j'ai fait, c'est juste l'analyse quoi. C'est bien. Oula. Alors, Madassimo là, qui me fait deux pré-shots d'affilée. Bon. GG's. J'ai envie de te dire GG's, mais j'ai envie de dire autre chose aussi. Ce sera que GG's pour l'instant. Mais ça peut être autre chose plus tard, hein. Pour l'instant, c'est bon. Merci Aaron pour le cadeau à... Nyan, enfin 02-16. Une particularité, un pote à toi, Nyan Fang. Idigar, c'est quoi les avantages du tir tactique? Je suis encore choqué que les gens me posent cette question aussi tard dans le monde de Warzone, mais c'est très bien aussi. Comment expliquer le tactique? Est-ce que déjà t'es joueur clavier souris ou pas? Sinon ça sert à rien. Pas ça sert à rien, c'est juste que sinon ça va être plus compliqué à comprendre. C'est un lobby de taré, je pense d'ailleurs. Oh my god. Bon, joueur manette. Bon bah, le but du tactique de base, c'est pour mieux voir quand tu tires sur quelqu'un, parce que quand t'as une arme qui a pas une bonne mire à la SMG, tu sais pas quand il glisse, quand il décale, quand il s'allonge, vu qu'on a pas de aim assist. Ok. Le but c'était ça. Le gaz avance. Nouvelle. Et puis voilà. Mais après, il y a eu plein de découvertes. Tu te déplaces plus vite en visant en tactique aussi qu'à la mire. Ta vitesse de déplacement latéral est augmentée, machin. Il y a plein de petits trucs sympathiques. C'est ta KO. Je pense que c'est mort cette game, la trentaine. Hein. 4 kills zone 2, c'est une catastrophe là. C'est moins précis à partir d'une certaine distance. En vrai, si t'as une bonne arme tactique, c'est exactement comme la mienne. Jusqu'à 9-10 mètres. Ça change absolument rien. C'est ça qui est bien.
Il est en train de se branler parce qu'il a fait Topin ou quoi d'autre là? Pas possible ça. Il a 1800 Topin en BR. Il est en train de se branler dans la fête Topin en restant caché dans le gaz. Il y a un petit souci. Info chat ou... Êtes-vous en train d'exagérer ou c'est ce qu'il est vraiment en train de faire? Bon, je sais pas moi. Le problème sur internet, tu comprends pas le... le ton des gens, le ton. Enfin, moi en tout cas, quand je lis le chat, je peux pas comprendre de ton. Vous, quand vous me voyez ma tête, vous pouvez savoir, mais... pas facile. Du boulot. Il a pas vos plaques, non? Putain, j'avais... pourquoi j'avais ma MCW en main? On m'a baisé. Finalement, il y a peut-être un monde hein, pour la trentaine. Peut-être. Peut-être. Il chope les trois ici.
ça. Faut que j'arrête. Je suis dans un mood hyper troll aux pompes là. J'étais là, mais where is my wife today? Pourquoi? Because it was repost bomb. Allez à la nouvelle zone de sécurité. Bisous. T'es vraiment un poison en pompe. J'adore lire ça. C'est le but. Jamais tué autant de manettes depuis que je joue aux pompes en rien. Peut-être avec la... Peut-être le... La Striker 9 tactique. Faut pas chômer. L'ennemi a perdu votre trace. Vous avez réussi à le semer. Faut pas confondre poisson et poison. Merci énormément pour ce message, boîte à gants. Le drone n'a plus de carburant. Non, bro. C'est sérieux? Ok, j'ai tué le plus de monde possible avant que le goulag ferme comme ça normalement. Il reste pas mal de monde là, c'est cool. Retour à la base. Je me dirige par là. Frappe de Largage tactique allié imminent. Ah, il y a une ref avec le poisson là. J'ai pas la rêve du coup. Du poisson et du poison. Le
action. Retour à la base. Ah! Oups. Arrête! 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 Oh my god, il m'a collé la termite. Incroyable. Je pense que j'ai pas besoin de rush. Il m'en faut que 2 sur les 3. On va bien en choper 2 quand même. Il y en a un à droite, un en haut. Et l'autre bah dans le battant. Hein, j'imagine. Le gaz avance. Ou alors il est à gauche là, en train de camper à gauche aussi. C'est pas impossible ça. Juste ici là. Ça va, c'est pas genre hyper chiant quoi. Oh là là. Let's go, baby! Putain, j'ai tout donné cette game pour avoir la trentaine, hein. Oh, j'ai dû être parfait partout, gros. Tabarnak!
Nice one, bro. GG's. Ah, celle-là, elle a fait plaisir quand même. On a dû vraiment faire des dingueries là. 31, pile poil.